Espíritu Santo, reina, Señor Dios, reina, Señor Dios, toma control, Padre amado, desde el principio hasta el fin, Señor Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya, magnífico Dios. Espíritu Santo, llena, Señor, tu pueblo. Toca, Señor, tu pueblo. Aleluya. Sí, Señor. No hay otro como tú. Poderoso eres, Señor. Y glorificamos, Señor Dios. Exaltamos, Padre amado. No hay otro como tú. Poderoso eres, Señor. Thank you.
Hallelujah.
que sa palabra nos transforme. Bénis la présence de tous et chacun de nous ici présents. Bénis à cada uno de nosotros aquí presente. Souvenons aussi à nos bien-aimés qui n'ont pas pu en venir, Seigneur. Pensa también a los demás que no han tenido tiempo de estar con nosotros. Que ta main puissance soit sur eux. Que tu mano poderoso. Dans le nom puissant de Jésus. En nombre poderoso de Jesús. Amen. Amen. Vamos a sentarnos en nombre de Jesús. Nuestro Dios es maravilloso. Je rends grâce à Dieu. Yo doy gracias a Dios. Pour cette responsabilité qu'il m'a confiée encore. Pour esa responsabilidad que él me ha dado. Pour parler de sa part. Para hablar de su parte. Comme la Bible dit, c'était poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Como la Biblia nos dice, empujando con su espíritu que los hombres de Dios nos habló. Est-ce que cette bonne journée soit une journée favorable pour toi? Et que ce jour soit un jour favorable pour toi. Je sais que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je sais que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce que notre Dieu est en rendez-vous. Porque nuestro Dios está aquí. Que notre Dieu est ici présent. Nuestro Dios está aquí. Amen. Amen. Je voulais parler d'un thème qui est très important. Yo voy a hablar un tema que es importante. Dieu cherche un homme. Dios está buscando un hombre. Dieu cherche un homme parmi les hommes. Dios está buscando un hombre dentro de los hombres. Et je vais te dire à quelqu'un, cet homme est toi. Et yo voy a decir a una persona, esa persona eres tú. Aujourd'hui nous sommes presque à la fin de l'année. Et estamos casi llegando al fin del año. Le dernier mois de l'année bien-aimé. Et c'est l'ultimo mes de l'année. Dios necesita una persona. Dios cherche un hombre bien-aimé. Dios está buscando.
les survivants sur la terre. Nous autres que vivons en cette terre. Et donc, être vivant bien aimé. Et une personne qui vit. Nous sommes des champions. Somos campeones. Nous sommes appelés à aller en avant. Somos llamados a ir adelante. Parce qu'au commencement, il y a une compétition que toi tu as apporté la victoire. Porque en el principio había una lucha que tú ganaste. Il y a une compétition bien aimée dans le ventre de ta mère, mais c'est toi qui as remporté la victoire. Había una compétition en la tripa de tu madre, mais tu persiste. Vous savez, quand une femme est enceinte, et sa mère, quand une mujer est enceinte, avant de concevoir la grossesse, antes de llevar la cita, il y a une course, une course qui se fasse dans le stérus d'une femme. No es malo.
Ce n'est pas mal, bien aimé. No es malo, hermano. Parce que Dieu c'est notre papa. Porque Dios es nuestro padre. Nous avons l'obligation de lui dire, madame. Tenemos la obligación de pedirle. Mais c'est rarement. Pero raramente. Je vois un enfant de Dieu. De ver un hijo de Dios. On est de demander à Dieu. De ver de pedir a Dios. De chercher à savoir ce que Dieu a besoin. Pero de buscar a conocer lo que necesita Dios. Vous savez, Dieu aussi a ses préoccupations. Dios qui s'éleva l'élevé bien-aimé. Dios necesitaba una persona que se levanta, hermano. Pour marcher devant, devant nous. Para que él pueda andar adelante. Pour marcher pour cet être-là bien-aimé. Para que él pueda estar allí, hermano. De chercher quelqu'un bien-aimé. Dios buscaba una persona, hermano. C'était la particulière des hommes. Esa era la parte de los des hommes. Je ne pouvais pas faire descendre l'ange Michael bien-aimé. Dieu ne mandar un ángel Michael. À un service qu'un homme peut le faire. Pour lo que un hombre puede hacer. Je ne peux pas faire descendre les archanges. Dieu ne podía mandar los ángeles para. Ça sera étrange bien-aimé. Eso será complicado, hermano. De voir dans la route. De ver camino. Un ange en train d'évangéliser avec ses ailes. Un ángel está allí evangelizando. Ça sera scandale. Et ce sera difficile. C'est pour cela Esaïe a attendu. Et pour ça Esaïe a écouté. Le Seigneur disait. Et quand le Seigneur estaba hablando. Qui enverrai-je? Que mandarai? Et qui marchera pour nous? Et andará para nosotros. C'était la préoccupation de Dieu. Era la preocupación de Dios. Souvent, nous étant des enfants de Dieu, muchas veces nosotros hijos de Dios, nous les attirons pas l'attention avec la préoccupation no de Dieu. No mettemos mucho atento de lo que Dios está pensando. Ça peut te paraître strange, eso puede parecer extraño, hermano. En disant que comment Dieu peut voir la préoccupation? Pero cómo Dios puede tener esa preocupación? Comment Dieu peut voir un petit souci? Pero cómo Dios puede tener esta tristeza? Bien aimé dans le Seigneur. La préoccupation de Dieu, ça ne fait pas limiter Dieu, bien-aimé. La préoccupation de Dieu ne limite pas Dieu. Premièrement, pour être Dieu, para ser Dios, il y a des facteurs que tu dois tu vas accomplir. Et tu tienes que cumplir algunas cosas. Tu dois être omniprésent. Tu tienes que ser omnipresente. D'être partout, bien-aimé. Et de estar en todo lado. Tu dois être omniscient. Tu tienes que ser omniscient. Et tu vas être omnipotent, bien-aimé. Tu tienes que ser omnipotente. D'être le tout puissant. Tu tienes que ser poderoso. C'est ça qui fait accomplir le rôle de Dieu. Et lo que se tiene es lo que hace que uno sea Dios. Mais cela, ça n'empêche pas que Dieu peut avoir un petit préoccupation. Pero lo, eso no impide que Dios tenga preocupación. J'avais souci de une personne. Ese Dios tenía la preocupación de los hombres. Il cherchait quelqu'un qui va marcher pour eux. Una persona que puede andar adelante. Il a dit, qui peut marcher pour nous? Et se preguntó, ¿quién puede andar por nosotros?
nosotros. Qui peut se lever pour marcher pour nous? Que podía levantarse y andar por nosotros. C'était ça la préoccupation de Dieu, l'Église. La preocupación de Dios, iglesia. Pendant de que nous forçons, Seigneur, je veux ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Cuando nosotros estamos buscando Dios, dame esto, dame esto. Mais Dieu a une préoccupation. Pero Dios tenía esa preocupación. Je cherche un homme. Dios está buscando un hombre. Peut-être aujourd'hui dans ta famille. Tal vez está en tu familia. Il y a quelqu'un qui prie quelque part, bien-aimé. Hay una persona que está orando ahí, mi hermano. Mais Dieu a besoin de quelqu'un pour récompenser la personne. Pero Dios está buscando una persona para pagar a esa persona. Église de Dieu. Iglesia de Dios. Enfant de Dieu. Hijo de Dios. Nous devons comprendre la part du Seigneur. Tenemos que entender la parte de Señor. Quittons-nous à être seulement des demandeurs. Et que nous dejamos solo ese espíritu de pedir, pedir. Avant de demander, c'est bien, bien-aimé. De verdad pedir es bueno, hermano. Mais cherchez aussi à comprendre pero la préoccupation que buscamos de Dieu. A entender la preocupación de Dios. Esaïe était là, bien-aimé. Esaïe estaba ahí, il a entendu Dieu parler. Él escuchó Dios hablando. Oh Seigneur. Oh Dios. Si un besoin de quelqu'un. Necesitas a alguien. Me voici. Yo estoy aquí. Me voici. Estoy aquí. Envoie-moi. Amándame. Bien-aimé dans le Seigneur. Hermano en Cristo. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, me voici, envoie-moi. Hay alguien esta mañana que puede decir que Dios estoy aquí, mándame. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette souci que Esaïe avait? Oh, hay alguien que puede tener esa preocupación de Esaías. Esaïe avait laissé toutes ses activités. Esaías dejó todo lo suyo. Il avait laissé tout ce qu'il pouvait le faire. Él dejó todo que podía hacer. Il a dit, Seigneur, me voici. Él dijo, aquí estoy. Envoie-moi. Mándame. C'est ça la maturité, bien-aimé. Eso, la maturidad, hermano. Cherchons à être seulement les bébés spirituels. Quitamos a ser hijos espirituales. Qui sont là seulement pour allaiter le lait de sa mère. Que está ahí solo bebiendo leche de su madre. Pour seulement allaiter, pour prendre de lait de sa mère, oh, bien-aimé. Tomando leche de su madre, hermano. Mais chercher à comprendre. Pero buscamos a entender. La préoccupation de la Dieu. La preocupación de Dios. Qu'est-ce que Dieu veut? Que quiere Dios. Pendant que toi tu prépares entrer la jeûne de 3 jours. Cuando tú estabas preparándose para entrar en el ayuno de 3 días. Pour demander quelque chose en Dieu. Para pedir a Dios algo. Laisse-moi te dire, il y a un souci aussi quelque part. Déjame decirte que hay una preocupación. Dieu a un souci, bien-aimé. Tiene una preocupación. Dieu cherche quelqu'un. Dios está buscando una persona. Qui va se tenir à la brèche. Esa persona que se estará ahí. Qui va se tenir à la brèche. Una persona que estaba allí pour intercéder pour l'Église. Para interceder por la iglesia. Pour intercéder pour le monde, bien-aimé. Para interceder por el mundo, hermano. Voyez comment le monde fonctionne maintenant. Mira cómo anda el mundo ahora. Le monde va mal. El mundo va mal. Le monde va mal, bien-aimé. El mundo va mal, hermanos. Le monde qu'on a fait 15 ans passés. El mundo que vivíamos hace 15 años. Ce n'est pas le même monde que nous avons aujourd'hui. No es el mundo que estamos pasando ahora. Voyez comment les choses sont bouleversées. Mira cómo las cosas andan mal. Voyez comment le monde sont vraiment entrés dans une crise mondiale, mira bien-aimé. Mira cómo el mundo está caído en una crisis que no podemos dar la definición. Voyez comment nos familles sont divisées. Mira cómo nuestras familias son divididas. Il y a des problèmes partout, bien-aimé. Hay problemas en todo. Je me pose des questions. Yo me pregunto, si à côté des animaux aussi il y a des problèmes. Si el reino de los animales hay también esos problemas. Mais nous étant que des hommes que Dieu a créés dans son image. Como persona que somos, nous avons un problème sérieux. Nous tenemos un problema serio. C'est pour cela église de Dieu. Eso, iglesia de Dios. C'est pour cela un enfant de Dieu. Por eso, un hijo de Dios. Il doit chercher à comprendre la volonté de Dieu. Entender primero la voluntad de Dios. Il va chercher à savoir la préoccupation de Él Dieu. Tiene que entender la preocupación de Dios. No doit pas être là seulement pour demander en no Dieu. No puede estar ahí solo pidiendo a Dios. Mais chercher à comprendre. Pero buscar a entender. Ce que Dieu veut aussi. Lo que Dios necesita también. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Dieu cherche un homme. Dios está buscando un hombre. Allons dans le livre d'Ézéchiel.
Vamos a ir en libro de Ezequiel. Ezequiel chapitre 22. Ezequiel 22. Ezequiel chapitre 22. Je suis seulement à l'introduction et puis on va développer et on va tirer des conclusions. Ezequiel chapitre 22. On va commencer par le verset 27. Ézéchiel 22, 27. Jusqu'à 31, je dois lire rapidement. Hasta 31. Vous êtes? Amen. Amen, je dois lire. Ces chefs sont, hein? Ces chefs sont dans les sons sains comme des loups qui déchirent leur poivre, ils répandant les sangs pendant les armes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des prêtres des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, mais l'Éternel ne leur point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, comme des rapines opprimées les malheureux, et indigents foulaient étrangers contre toute justice. 30. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Enfin que je ne les détruise pas, mais je ne trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je le consumerai par le feu de ma colère, je le ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, hein? Ici, Ézéchiel est en train de voir une vision, bien-aimé. Aquí Ézéchiel estaba viendo una visión. Il a dit ceci, bien-aimé. Él dijo esto, hermano. C'était la façon dont la vie des gens en train de vivre. Era la manera de vida, un modo de vida que la gente llevaba. Dieu en train de parler, voir comment Jérusalem et le peuple de Dieu en train de vivre. Dios estaba hablando como su pueblo vivía. C'était les crimes qui passaient en Israël sans plutôt rendre compte. Era criminel que pasaba en Israel que ellos no le daban cuenta. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'avais dit, il y a pas mal de choses qui se passent maintenant dans le monde. Et pour eso había dicho que hay muchas cosas malas que están pasando en el mundo. Mais éternel étant que Dieu, bien-aimé. Pero éternel es como Dios, hermano. Il y a une préoccupation sur lui, bien-aimé. Él tiene una preocupación. En voyant comment les choses sont en train d'évoluer. Mirando cómo las cosas están pasando. En voyant comment la souffrance est entrée dans le monde. Mirando cómo el sufrimiento entrar en el mundo. En voyant comment on parle toujours des tueries, bien-aimés. Mirando como están hablando solo de matar y matar. En voyant comment il y a la division partout. Mirando como entrar la división en todo lado. Bien-aimé dans le Seigneur, Cristo, Dieu a une préoccupation. Es la preocupación de Dieu Dios. Veut descendre sa colère sur Dios nous. Se quiere deverser su ira sobre los hombres. Dieu qui veut nous détruire, l'église de Dios Dieu. Quiere matarnos, iglesia de Dios. Mais étant que Dieu, pero como Dios, étant que Dieu, como Dios, il cherche un moyen pour ne pas détruire ses él peuples. Está buscando una manera de no hacerlo. Il est parti. Plus loin, bien-aimé. Il a dit les prophètes. Et diciendo sus profetas. Comme on peut dire les évangélistes ou les pasteurs. Dijeron de otra manera sus evangelistas o sus pastores. Ils donnent les fausses visions. Él está dando falsas visiones. Il dit que le Seigneur nous a parlé ceci, mais l'Éternel ne les a rien dit. Está diciendo, proclamando que Dios nos ha hablando esto,
Pero Dios no l'a hecho. Il donne les visions mensongères. Dando profecía de mentira, hermano. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé. Et pour eso, oh, vous hermanos, voyez beaucoup des églises. Estamos viendo muchas iglesias. Ils ont plongé dans la crime, bien-aimé. Ellos se han metido en el crimen, hermano. Nous aussi étant des enfants de Dieu. Nosotros también como hijos de Dios. Nous aimons toujours là où on parle de bien pour nous. Estamos buscando donde están profetizando buenas cosas para nosotros. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des églises. Et pour eso estamos viendo la profetización. Ils ont rempli les gens, bien-aimés. Et tienen mucha gente. Les gens sont remplis. Oh, un multitud de gente. Parce qu'ils veulent écouter des bonnes choses. Porque ellos buscan entender las buenas cosas. Ils veulent écouter des prophéties mensongères. Les gusta escuchar une profecía de mentira. Bien-aimés dans le Seigneur. Hermano en Cristo. Un jour, j'ai partagé avec un de mes frères qui est en Angola, c'est un pasteur. Un día yo estaba compartiendo con mi hermano que es pastor en Angola. Il me disait. Él me decía. Il a dit, mon frère, vous savez, avant il y avait les gens qui parlaient aux gens dans la rue. Et antes había gente que hablaba a la gente en la calle. Mais tous ces gens-là aujourd'hui. Pero toda esa gente hoy. Ils ont changé les jeux. Pero han cambiado su técnica. Ils ont on l'appelle maintenant les prophètes. Pero hoy le llaman profetas. Mais beaucoup c'était les mandonas. Pero esa gente era diferente la calle. Beaucoup c'était les gens qui regardaient les gens qui faisaient les choses horribles, bien-aimés. Era gente que era divina en la calle hablando de la cosa de la gente. Mais le monde aussi ont plongé dans le même sentiment. Pero el mundo también está nadando del mismo sentido que ellos. De donner des faux prophéties. Dando falsa profecía. De dire des choses qui plaisent aux hommes, bien-aimés. Hablando cosas que da gusto a los hombres. Vous savez, il y a des gens. Et sabes, hay gente. Ils te voient comme ça. Et elle te mira. Ils connaissent tes pensées. Et elle sabe lo que tú estás pensando. Ils connaissent tes préoccupations. Elle sabe todo lo que te preocupa. Mais ça ne vient pas de Dieu. Pero eso no viene de Dios. Tous ces gens-là, bien-aimés. Toda esa gente, hermano. Ils ont compris que non, si nous faisons ceci comme les gens veulent toujours prier, il faut qu'on soit derrière la Bible. Si queremos hacer algo como la gente ahora está en la iglesia, nosotros también cogemos la Biblia para engañarlos. C'est pour cela que tu vois beaucoup de pasteurs. Hein? Et por eso hoy vemos muchas hombres de Dios. Ils ne prêchent pas la parole pour l'intérêt de sauver les âmes. Pero no predica la palabra para salvar los hijos de Dios. Ou tu vois que quelqu'un qui prêche et qui fait beaucoup de vues sur YouTube. Hein? Et vas a ver, uno predica, tiene muchos seguidores YouTube. Il faut donc vous recommander, il faut partager, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, bien-aimé. La gente compártelo por ahí. Parce que lui il reçoit quelque chose. Porque él espera un dinero. Je peux donner, on peut faire un petit analyse. Peut-être que moi je me trompe. Podemos analizar un poco, tal vez yo me estoy equivocando. Parce que moi souvent je suis vraiment contre partager, fais ceci, fais cela pour avoir beaucoup de vie, pour que je gagne l'argent. Yo soy en contra de la gente que dice compártelo, comparte para tener muchos seguidores para que yo cobro dinero. Mais quand tu entends leur façon de parler, pero si tú ves la manera de ellos de hablar, ils disent que pour que beaucoup de gens soient sauvés. Ellos dicen, es para predicar para que todo el mundo le llegue la palabra que sea salvo. C'est bien. Es bueno. Je mets une prédication à YouTube. Yo pongo la predicación en YouTube. On fait une large diffusion. Et ya lo compartimos con mucha gente. Beaucoup de vies entrent. Et muchos seguidores entran. Et YouTube me paye quelque chose. YouTube me paga algo. YouTube me paye quelque chose. YouTube me va a pagar. Regardez maintenant les enjeux, où sont les problèmes, bien pero aimé. Miramos donde viene el problema. Vous savez, le diable. Et sabes, el diablo. Comme il est très malin. Como es astuto. Il savait que ce sont les serviteurs, les pasteurs qui peuvent sauver les gens pour fuir Antichrist. Él sabe que los pastores, los hombres de Dios que puede salvar lo que puede huir l'Anticristo. Qui peut réveiller le peuple de Dieu. Que puede levantar el pueblo de Dios. Il a dit maintenant nous. Él va a decir ahora nosotros. On va être maintenant ses patrons. Nous vamos a estar sus patrones. Toutes les prédications que moi j'aimais.
Todas las predicaciones que yo voy a poner, quand il y a beaucoup de diffusion, et cuando hay muchos seguidores, on me paye quelque chose. Et me van a pagar algo. Quand quelqu'un, la personne qui te paye, la persona que te va a pagar, il est comme ton jefe, ton patron. Es como tu patrón. Je ne sais pas si vous me comprenez. No sé si alguien me está entendiendo. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, hoy, muchos hijos de Dios, ils ont entré à la ruse du diable sans plutôt rendre compte. Él ha entrado en el engaño de Satanás sin darse cuenta. En diffusant seulement son message, et solo a meter su mensaje, mais il y a quelqu'un qui te récompense. Pero hay alguien que te está. C'est pour ça que la Bible dit. Et pour eso la Bible está diciendo. Les jours là beaucoup viendront. Seigneur, moi j'avais prêché si ton nom. Ese día mucho vendrá, Señor, yo te seguía. L'Éternel le dira, tu avais déjà reçu ta récompense sur la terre. Et Dios le dirá que tú has sido pagando ya cuando estabas en la tierra. C'est pour cela que quelqu'un va préparer un bon message. Et pour eso uno prepara una buena predicación. Parce que je sais que quand je lance cet message, porque él sabe cuando lo mete, tous les gens seront là, bien-aimés. Mucha gente estará. Et moi, je dois avoir beaucoup de vie. Et yo tendrá muchos seguidores. En final, on va me payer. Et à final, allí me van a pagar. Cherchez maintenant à savoir. Pero buscar de saber. La personne qui nous paye. La persona que nous paga. Est-ce qu'il a intérêt sur le plan de Dieu? Ese tiene interés por el plan de Dios? Zéro. Cero. Ce sont les réfets, ce sont les géants de ce monde. Ese le gigante de ese mundo. Ce sont les gens qui contrôlent ce monde, bien-aimés. Esa gente que controla ese mundo, hermano. Ils ont mis leur argent en jeu. Él ha investido su dinero. Pour gagner la confiance de tout le monde. Para ganar la confianza de todo el mundo. Aujourd'hui, tu vas voir même la on n'a pas les pitié sur les gens, bien-aimés. Hoy no tiene ni corazón para los demás. Quelqu'un qui est en train de mourir, bien-aimé. Alguien que está muriendo ahí. Au lieu de venir lui secouer. Et courir para asegurar. Mais quelqu'un préfère filmer les images. Hay gente que va, toma las fotos de pour esa prendre persona. Seulement les images. Para coger solo imagen de la il n'y a persona. Pas de pitié sur la terre, bien-aimé. La gente no tiene más corazón la personne en train d'agoniser, Église. La persona que está muriendo, au lieu de venir lui secouer, de lui sauver, de lui donner la main. Mais les gens préfèrent sortir leur téléphone pour filmer. Prefiere sacar la teléfono. Moi je dis où va notre monde, bien-aimé. Yo me pregunto dónde va el mundo. Voyez les stratégies du diable. Como anda el diablo. Parce que comme je serai la première personne à publier cette image. Como yo seré el primero de coger y publicar la imagen. Tout l'argent, toute la diffusion qu'il va faire, c'est moi qui va gagner l'argent. Todo lo que la gente va ver el dinero que va a dar yo lo cogeré. Il n'y a plus la miséricorde sur la terre, bien-aimé. Ahora el corazón que toca. Pensez-vous avant comment c'était? Et comment había? S'il y a un problème, un accident. Si había un problema o accidente. Tous les gens descendent pour aller secouer les victimes. Todo el mundo corre para ir a secourir los. Mais aujourd'hui, il n'y a pas personne qui peut courir pour secouer. Nadie corre para hacer. Toute personne préfère prendre ces images. Muchos prefieren sacar las fotos o coger imagen. Quelqu'un qui noie dans la mer. Una persona que está muriendo en agua. Il se demande au secours, sauve-moi. Socorro, socorro. Les gens lui montrent seulement le téléphone comme ça. Pero la gente tomando au secours, aidez-moi sur Nangaï. Ahí la gente filmando. Votre zone préférée, va sur ma image. La gente prefiere de coger imagen. Où va notre monde? Donde va nuestro mundo? C'est pour ça Dieu est en train de se préoccuper. Et pour eso Dieu está preocupándose. Seigneur dit, je cherche un homme. Está diciendo, estoy buscando un hombre. Je cherche un homme. Estoy buscando un hombre. Pour enlever cette défi, bien-aimé. Para quitar este problema, hermano. Enfant de Dieu. Hermano en Cristo. Ne te plongez pas dans le vent de tout le monde. No te metas en ese viento que lleva todos. Aujourd'hui, la distraction est entrée même dans l'église de Dieu. Hoy, la distracción mismo ha entrado en la iglesia de Dios. Dans la famille des enfants de Dieu. En nuestras familias como hijos de Dios. Nous sommes tous seulement sur le
les réseaux sociaux. Estamos metidos en las redes sociales. Tu peux voir dans une famille toutes les personnes à côté, chacun dans son mouvement bien-aimé. Una persona misma casa, cada uno en su, su rincón. Satan a réussi à nous retenir, bien-aimé. Satan a llegado a nous rinconar. Où va notre monde? Pero donde va nuestro mundo? Mais le cœur de Dieu en t'est enseigné. El corazón de Dios está llorando. Mais Dieu cherche un homme. Dios está buscando una persona. Bien-aimé dans le Seigneur. Hermano en Cristo. Même dans ta propre famille. Dale en tu propia familia. Il y a des malheureux qui demandent le secours. Hay gente que está buscando socorro. Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il t'a levé dans cette famille, bien-aimé. No es en vano que está llamando esa familia. Parce que Satan est en train d'apprêter les gens. Porque Satan está arrinconando la gente. Dieu, il y a quelqu'un qui demande au secours. Hay alguien ahí gritando socorro, socorro. Il y a quelqu'un qui demande au secours, sauve-moi. Hay gente que está buscando socorro, hermano, que mais toutes personnes sont distraites à leur téléphone. Pero todo el mundo arrinconando sus teléfonos. Si tu veux bien savoir ce que je suis en train de dire. Si tú quieres entender lo que estoy diciendo. Entre dans un métro. Entra en el metro. Tu vas voir. Y tú verás lo que entre pasa. Seulement dans un métro. Entra en el metro. Tu vas, il y a un jeu qui se passe directement. Tu vas voir, toutes personnes sont toujours. Tú verás todo el mundo, cada uno en su bola. Moi, quand je vois comme ça. Cuando yo miro esas cosas. Il faudra faire différence. Et ahí yo me tomo la decisión de no sacar mi teléfono. Mais va tout nionso concentré dans todo téléphone. El mundo concentrado con el teléfono. C'est un peu de comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Pregúntate et entiende lo que está pasando. Le cœur de Dieu en train d'enseigner bien aimé. Oh, el corazón de Dios está llorando, hermano. C'est pour cela que Dieu dit. Et por eso Dios está diciendo. Je cherche un homme parmi les hommes. Yo estoy buscando un hombre dentro de los hombres. Bien aimé, Dieu veut détruire. Hermano, Dios quiere matar. Mais comme c'est un Dieu de miséricorde, pero como es un Dios misericordioso, il a besoin de quelqu'un qui va s'élever. Él necesita una persona que se levanta. Où sont les serviteurs de Dieu? ¿Dónde están los siervos de Dios? Où sont les prophètes bien-aimés? ¿Dónde está la profeta? Qui va changer les données sur le monde? Va cambiar todas esas situaciones. Le monde va mal. El mundo va mal, hermano. Nous aussi les serviteurs nous sommes plongés dans le même sentiment. Estamos ahí en ese mundo. Bien aimé, les réseaux sociaux en train de nous emporter. Nos redes sociales están llevándonos. Mais aujourd'hui, tout le monde nous sommes plongés sur le même sentiment. Todos estamos ahí. Le cœur de Dieu en train d'enseigner. El corazón de Dios está llorando. Dieu cherche un homme. Dios está buscando un hombre. Mais laisse-moi te dire. Déjame decirte. Toi, tu es cet homme que Dieu en train de chercher. Eres ese hombre que Dios. Toi, tu es cette personne que Dieu est en train de chercher. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas la justice, c'est bien aimé. En el mundo no hay justicia. Tout, on a changé toutes les situations. Han cambiado todos. On est pris même les malheureux. Et on est pris même les malheureux, les gens qui souffrent. Están atacando mismo la gente que está sufriendo. On ne fait pas part des orphelins, bien aimé. Non, están ayudando los. Los huérfanos. Il y a la violence partout sur la terre. Hay violencia en toda la tierra. Aujourd'hui, on nous parle des droits de l'homme, mais en réalité, ça n'existe pas. Hoy estamos hablando de derechos de hombres, pero en realidad no existe. Le monde est plongé dans l'injustice. El mundo está cayendo en la injusticia. Où sont les serviteurs de ¿Dónde Dieu? ¿Dónde están los siervos de Dios? Où sont les enfants de ¿Dónde Dieu? ¿Dónde están los hijos de Dios? Qui va se tenir à la brèche? Ese hijo que se levantará en la brecha. Qui va se lever pour changer les données de ce monde? Que se levantará para cambiar las données de ese mundo. Le monde nous a inclinés, Église. El mundo nos ha inclinado, nous humano. Sommes inclinés. Estamos inclinados. Mais Dieu cherche un Pero homme. Dios está buscando un hombre. Qui va se tenir à la brèche. Ese hombre que se pondrá de pie a la qui brecha. Va parler pour le monde, bien-aimé. Que hablará por el mundo, hermano. Mais Dieu ne trouve point. Pero Dios no está encontrando a nadie. Parce que tout le monde nous sommes plongés dans les sentiments. Porque todos estamos ahí en ese sentimiento. Avec la crise mondiale que nous prenons maintenant. Con esa crisis mundial que estamos pasando. Tout le monde regarde seulement sa façon. Todos estamos mirando solo nuestras partes. Pendant que Dieu cherche un homme.
donde Dios está buscando un hombre. Nous entrons, nous faisons des prières. Estamos entrando en las oraciones. Nous entrons dans les jeûnes des prières de 3, de 4 jours, de 21 jours. Proclamando ayuno de 24 días. Seulement pour nos préoccupations. Solo por nuestras preocupaciones. Mais nous regardons pas la part de Pero Dieu. Pero no estamos mirando la parte de Pendant Dios. Que Dieu a une préoccupation aussi. Donde Dios tiene preocupaciones. Est-ce que nous pouvons organiser une prière pour demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ce monde? Oh, podemos organizar una oración de decir Dios, ¿qué necesitas? Pour savoir ce que Dieu veut, bien-aimé. Para saber lo que quiere Dios. Je vais te donner un exemple. Yo te voy a dar un ejemplo. La Bible dit. La Biblia nos dice. Au temps des sacrificateurs et Élie. El tiempo de sacrificador Elías. Les fils d'Élie c'était les enfants pervers. El hijo de Elías era hijo malo. Qui faisait les mauvaises choses dans les. Et hacía cosa abominable en la iglesia. Qui faisait les mal choses bien-aimées. Et si a cosa mal, malissima. Pendant que son père était déjà vieux. Et cuando el padre ya estaba Dieu cherchait un remplaçant qui pouvait remplacer parce que le temple ne pouvait pas être sans sacrificateur. Dios buscaba una persona para remplazarle porque no podía dejar el templo así. Sacrificateur Élie, l'âge était déjà avancé. El sacrificador Elía tenía ya una edad avanzada. Il avait même des difficultés pour comprendre l'abomination que ses enfants en train de faire dans l'église. Tenía dificultad de entender lo que pasaba lo malo en la iglesia. Mais dans la cuisine de Dieu, Dieu cherchait quelqu'un qui va se remplacer les sacrificateurs. Pero en el pensamiento de Dios, Dios sabía quién va a reemplazar el sacrificador. Mais il n'y avait personne. Pero no había nadie. Parce que tout le monde demandait seulement, cherchait seulement à prendre quelque Porque part de todo Dieu. Todo el mundo esperaba solo coger de Dios. Toute personne viendra, venait à l'église seulement pour demander Seigneur, moi je veux ceci, moi je veux cela. Todo lo que venía, venía solo para pedir a Dios. Mais il y a, c'était Anne. Pero había una mujer, Ana. Anna, il venait aussi pour demander l'enfant. Ana venía también para pedir un hijo. Parce que son rival, il mortifiait, il faisait du mal, et bien-aimé. Porque tenía la segunda mujer de su marido le hacía daño. Chaque fois il demandait Seigneur, je veux que tu me donnes l'enfant. Elle venía todo el rato pidiendo un Je veux que tu me donnes l'enfant. Oh Dios, quiero un hijo. Mais un jour bien-aimé. Pero un día, hermano. Anna avait compris quelque chose. Anna entendió algo. Elle a dit non, il faut que je change mes prières. Dijo, yo tengo que cambiar mi manera de orar. Anna demandait à Dieu. Anna dijo a Dios. Il disait à Dieu. Elle dijo a Dios. Seigneur. Señor. Si tu me donnes un enfant. Si tu me das un hijo. Je te donnerai à toi. Yo te le devolveré. Si tu me donnes un enfant. Si tu me das un hijo. Moi je te donnerai à toi. Et te voy a devolver. Il sera mon enfant seulement par le nom. Et será mi hijo por llamarle hijo. Mais ça sera pour toi. Pero l'hijo sera pour para ti. Mais pendant que Dieu aussi. Et ahí también Dios. Dans son royaume, dans son laboratoire, il cherchait quelqu'un. En su reino buscaba una persona. Un ange vient en Dieu. Et un ángel viene a Dios. L'ange rapporteur qui amène nos prières. Et l'ángel que lleva nuestras oraciones. C'est là que ça m'engage que moi. Ese es mi palabra. Il a dit, Seigneur, écoutez. Señor, escucha. J'ai attendu Anna. He escuchado a Anna. Il a dit, si tu lui donnes l'enfant, il va te donner. Et il va te remettre si à toi. Si tu le das un hijo, elle te le devolvera. Pendant que là-bas, ils avaient une équation, ils cherchaient quelqu'un qui va remplacer Samuel. Élisée. Il y avait une équation, Dieu estaba buscando una persona para arrendar a Elías. Seigneur a dit, ah, c'est bon. Et ahí Dios dijo, es eso lo que estoy buscando. La marché conclue. Et así, donnez-le un enfant. Vamos a darle un hijo. Dès qu'il va nous remettre cet enfant. Et cuando nos devolverá el hijo. On les remplacera dans la place des sacrificateurs. Et ahí vamos a cambiarle el sitio de Samuel. Parce que Anna avait compris. Porque Anna entendió. Que si Dieu me donne. Si Dios le da, je le donne à lui-même. Et le devuelvo. L'intérêt de Dieu était assuré. Et l'intérêt de Dios era asegurado. Seigneur, ah, ok. Et ahí Dios dijo, donne un enfant. Lo vamos a dar un hijo.
pour qu'il va nous remettre cet enfant. Et ese hijo nous sera devuelto. Cet enfant, on va lui mettre là où on cherche quelqu'un. Et ese hijo le mandaremos donde estamos buscando una persona. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Podemos Dieu? Podemos acclamar pour notre Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Hermano, nuestro Dios es maravilloso. Nous servons un Dieu merveilleux. Nuestro Dios es Dios maravilloso. Peut-être tes problèmes ont pris beaucoup de temps. Tal vez tu problema ha llevado mucho tiempo. Parce que tu n'associes pas Dieu à tes désirs, bien-aimé. Porque tú no estás asociando a Dios de tus deseos, hermano. Les jours que Anne a changé sa prière. Le día que Anna cambió su oración. Directement Dieu lui a donné. Et directement Dios lo da. Il a dit à son mari. Elle dit quoi à son mari? Dès que l'enfant s'est cessé de sévrer. Et cuando yo dejaré a dar. Je dois le lui rendre en Dieu son enfant. Dès que la ligne de Cara a Thomas l'été, le yéparé à le Seigneur. Anna, il a mené son fils Samuel, l'a laissé dans le temple. Et aïe, Anna, yévo, souïko, il est déco en le temple. Dans quel âge, bien-aimé? À quelle idade, hermano? Là-bas, il avait seulement un sacrificateur qui était un vieil avancé. Et aïe, había un sacrificateur qui tenía una edad avanzada. Anna, il a remis cet enfant. Et Anna, l'hijo en la iglesia, le déco aïe. Comme tu m'as déjà enlevé mon opprobre. Et como yo no soy más una persona que la gente puede. Prends seulement l'enfant. Coge, ça appartient à toi. Et l'ico t'appartenait. La Bible dit que Samuel est grandi dans la temple. Et la Bible nous enseigne que Samuel creció en el temple. Jusqu'à ce que le jour qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Et hasta que él recibió el llamamiento de Dios. Anne avait coïncidé seulement ses demandes avec la préoccupation, la désir de Dieu. Ahí Anna solo hizo que su demande à coïncider avec la préoccupation de Dieu. Imaginons-nous, bien-aimés. Et imagine-te. Si Anna disait, donne-moi un enfant, il devient un président de la République. Si Anna decía que dame un hijo, ese hijo tiene que ser presidente. Il sera un footballeur. Él será uno que va a jugar el fútbol. Mais jusqu'à présent, zéro. Pero hasta hoy no sabemos lo que puede pasar. Cero. Mais le jour qu'avait compris. Pero el día que él entendió. La désir de Dieu. El deseo de Dios. La préoccupation divine. La preocupación divina. Le souci de Dieu. El préoccupation de Dios. Elle dit, Seigneur, elle dit que, Seigneur, dès que tu me donnes, comme quand tu me das, je te remets à toi. Yo te le devolverai. Aujourd'hui, nous avons des difficultés dans l'église. Hoy tenemos dificultades en la iglesia. Tu vas voir quelqu'un dit, Seigneur, dès que tu me donnes ce travail, no hay nadie que va decir, Dios, cuando tú me das ese trabajo. Chaque fois que moi, je dois couper mon dîme, je dois te remettre. Cada vez que me pagan, yo te daré lo que me van a pagar. Mais le jour qu'il aura cet argent, pero el día que recibe il commence à voir ses problèmes. Il commence à demander, oh, ça c'est beaucoup. Oh, eso es mucho. Seigneur, je te donne seulement ça là, et puis l'autre jour, je te donne ça là. Nous n'arrivons pas à accomplir ce que nous parlons à Dieu. No llegamos a cumplir lo que prometemos a Dios. Mais Anne a pris son enfant, pero bien-aimé. Anna cogió su hijo, elle a dit, Seigneur, voici ton enfant. Et dijo, Señor, aquí está moi, j'ai tu fait hijo. Ma part, ça te reste yo à toi. Hecho mi parte. Lo que queda para ti. Samuel, il a grandi dans l'église. Samuel creció en la iglesia. Jusqu'à ce qu'il a pris l'appel, bien-aimé. Hasta que llegó la llamamiento, hermano. Dieu cherche un homme. Dios está buscando una persona. Un jour, Néhémie, bien-aimé. Un día, Néhémie, hermano. Dans le livre de Néhémie, Église de Dieu. En el libro de Néhémie, Iglesia de Dios. Néhémie avait, il était bien dans son travail. Néhémie era muy bueno en su il recevait bon salaire parce qu'il travaillait dans la palais royal. Era muy bien pagado porque trabajaba en el palacio. Mais un jour, pero un día, lorsqu'il avait entendu que son pays était détruit, un día que escuchó que había ruina en su país, il se demandait comment va le pays, bien-aimé. Preguntó cómo iba a su país. Comme ils étaient en captivité, on lui a raconté les histoires qui étaient mal, bien-aimé. Como estaba en captividad, él escuchó lo que pasaba donde él. Némé a dit non. Dijo, il faut que je fasse quelque chose. Yo tenía que hacer algo. Il faut que je fasse quelque chose. Tenía que hacer algo. La ville de mes parents sont détruites. Les murailles de mon fils sont détruites. Oh, la ciudad de mis assiettes, mis
Mis parentes están destruidos. Il faut que je fasse quelque chose. Néhémie est entré dans la prière pour demander l'intervention de Dieu, pedir la intervención pour aller intervenir. Para que él puede ir intervenir. Néhémie pouvait dire, Néhémie podía decir, moi je suis bien avec mes yo enfants, soy bien viviendo en el palacio, avec mes mon travail, mi trabajo me paga bien, je gagne mon argent, yo, voy a ganar mes dinero, enfants sont bien. Mi hijo anda bien. Ce qui se passe là-bas, ça les regarde. Et todo lo que pasa allí no me interesa. Mais non, bien-aimé. Pero eso no era así, hermano. Non, Néhémie a une préoccupation. Néhémie, le entró la preocupación. Mais il faut que je fasse quelque chose. Yo tenía que hacer algo. Comment la ville de mes parents? Como la ciudad de comment on va détruire la Jérusalem? Comment on a destruido Jérusalem? Il faut que je fasse quelque yo chose. Tengo que hacer algo. Jusqu'à ce que Néhémie est parti pour intervenir. Hasta que Néhémie para ir. Souvenons-nous aussi de Gédéon. Et pensons un peu aussi de Gédéon. Il y avait pas mal de problèmes à Jérusalem, bien-aimé. Il y a beaucoup de problèmes à Jérusalem. Les enfants d'Israël étaient dans l'angoisse totale. Les enfants d'Israël étaient perdivamente en quand problème. Ils s'aimaient, et quand ils assis à campo, les mandandites venaient pour récolter les récoltes. Les mandandites venaient comiendo todo lo que ellos. Pendant que Dieu nous a dit, nous mangerons la fruit de notre récolte. Quand Dios nos dijo que nosotros comerás de lo que vamos a producir. Mais pour eux, c'était au contraire. Pero para ellos era el contrario. Il avait la difficulté dans leur famille. Era mucho il avait des problèmes bien-aimés. Había problemas, ils hermanos. Ont fait des prières. Orando, estaba orando, orando, orando. Mais Dieu cherchait seulement quelqu'un. Pero Dios buscaba solo una persona. Pour enlever cette défi. Para salvar les de ese problema. Aujourd'hui dans ta famille, il y a des problèmes sérieux. Oui, en tu familia hay problemas. Difficile. Laisse-moi te dire. Déjame decirte. Dieu peut te prendre toi pour élever cette défi. Dios puede cogerte para salvar tu familia. Ne regardez pas toutes choses comme ça, bien-aimé. No miras las cosas como está yendo. Ce n'est pas pour rien que tu es appelé enfant de Dieu. No es en vano que estás llamado hijo de Dios. Toi demande à Dieu. Tu pide a Dios de faire de toi ce qu'il veut que toi tu sois, que bien-aimé. Dios haga de ti de lo que él quiere que tú seas. Néhémie avait compris. Néhémie entendió. Ah, mais non. Il faut que je fasse quelque chose. Yo tenía que hacer algo. Il est parti intervenir. Et él fui a trabajar esto. Souvenez-nous aussi de David, bien-aimé. Et si podemos et recordarnos también de Dieu voulait changer un roi qui était vraiment mal. Dios quería cambiar un rey que era malo. Il avait besoin de quelqu'un. Él buscaba una persona. Mais là, dans les visions des gens, pero en la pensamiento de gente, on a choisi d'autres personnes. Él buscaba otra persona. Mais Dieu voyait une autre personne, pero bien-aimé. Dios estaba mirando otro. David était dans la brousse. David estaba ahí en el bosque. Pendant que ses grands frères ils étaient là pour être couronnés comme roi. Cuando sus hermanos estaban allí para ser coronando como mais rey. Dieu ne les voyait pas, bien-aimé. Dios no les veía ser Dieu rey. Voyait David là où il était au secret. Miraba David donde estaba. Bien-aimé dans le Seigneur. Bueno, en Cristo, Dieu cherche un homme. Dios está buscando un Dieu hombre. Cherche un homme. Dios está buscando un hombre. Parmi les hommes. Dentro de los hombres. Pour enlever un défi. Para quitar ese problema. Comme j'avais dit auparavant. Como yo decía en principio, il y a les parts de Dieu la parte de Dios et les parts des hommes. Et la parte de los hombres. Dieu ne peut pas faire notre part. Dios no puede hacer nuestra parte. Pour terminer, para acabar, allons dans le livre des Actes, on va terminer par là. Vamos a ir en libro de Hechos, Actes chapitre 10, Hechos 10, des premiers jusqu'à 8e. Actes chapitre 10, Hechos 10, de 1 à 8, je lis. Au nom de Jésus, il y avait à Césarée un homme nommé Cornèle, le sentinelle, dans la correcte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de demandes au peuple et priant Dieu continuellement.
Vers la neuvième heure, le jour où il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, « Cornèle, les regards fixés sur lui et saisi de trois, il répondit, « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Est-il souvenir envoie maintenant des hommes à Joppé et faites venir Simon, si nommé Pierre. Est-il logé chez un certain Simon, coréen, dont la maison est près de la mer? » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Cornèle appela deux de ses serviteurs et les soldats pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, et il envoya à Joppé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, la Bible nous raconte que Cornèle était une personne qui craignait Dieu. La Bible nous dit que Cornèle era una persona que temía a Dios. Il faisait beaucoup de aumônes, bien-aimé. Il était une personne de bien. Era una persona buena. Il demandait, il avait une préoccupation, il demandait de présenter ses requêtes devant Dieu. Él era buena persona que oraba a Dios todo lo que necesitaba. Un jour, un día, il a vu dans une vision. Él vio una vision, l'Éternel envoya un ange, Dios mandó un ángel, pour lui dire, para decirte, Cornelio, Cornelio, tes prières sont montées en Dieu. Tus oraciones han llegado a Dios. Dieu te dit maintenant, Dios te está diciendo envoie ahora, quelqu'un à Joppé, manda una persona a Joppé, pour appeler un homme qui s'appelait Simon Pierre, para llamar una persona que se llama Simon Pierre. Dieu a donné aussi des références, Dios le dio referencias, des confirmations là où se trouvait Simon, toda confirmación donde estaba Simon. La Bible dit que Cornèle, il a envoyé cette personne pour appeler Pierre, bien-aimé. La Bible nous dit que mandó su siervo para llamar a Simon, pour accomplir une mission de la part du Seigneur, para hacer una misión de la parte de Dios. Bien-aimé dans le Seigneur, Cristo, peu importe le temps que tu as fait dans la prière, no pasa nada el tiempo que tú has pasado en la oración. Laisse-moi te dire une chose, Église de Dieu. Decirte, Iglesia de Dios, Dieu a besoin de quelqu'un. Dios necesita una Dieu persona. A besoin d'une personne. Dios necesita una persona. Pour venir accomplir une mission, bien-aimé. Para que cumple una misión. Ne sois pas égoïste, bien-aimé. No te quedas egoísta. Ne vois seulement tes problèmes. De mirar solo tus problemas. Pendant que Dieu a aussi un souci. Porque Dios tiene también una preocupación. Il veut que toi tu vas faire appel à Simon qui s'appelle Pierre. Él quiere que tú vas a llamar a Simon et Pedro. Il veut t'envoyer aller à Joppé pour appeler Pierre. Él quiere mandarte a Joppé para llamar a Simon. Bien-aimé. Hermano, le temps est arrivé. El tiempo ha llegado. Que chacun de nous va se positionner. Que cada uno de nosotros puede tener una buena postura. Ce n'est pas seulement le temps de mettre la main comme ça, Seigneur, donne-moi, no je vais, je vais. No es el tiempo de levantar mano y pedir a Dios siempre. Cherchez aussi à savoir. Se buscamos también a saber. La besoin de Dieu. La necesidad de Dios. Et Dieu va accomplir tes besoins. Y Dios dará a ti también tus deseos. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole Podemos de Dieu? Podemos acclamar por la palabra de Dios. On va se lever, on va prier. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Tu vas prier en Dieu. Et vas a orar a Dios. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que j'ai écouté ta parole. Vas a decir a Dios gracias porque he escuchado tu palabra. Tu vas dire, Seigneur, je sais que la personne que tu cherches pour ma famille, c'est moi. Tú le dirás, Señor, ya sé que la persona que tú estás buscando en mi familia es soy yo. Tu vas dire, Seigneur, la personne que tu cherches pour changer le donner de ce monde, c'est moi. La persona que está buscando para cambiar el mundo soy yo. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des directives. Et tú vas a decir, Dios, dame todo lo que se puede. Tu vas demander les directives en Dieu, bien-aimé. Tú pedirás todo lo que se puede en Dios. Esaïe avait écouté. Esaïe a escuchó. Dieu cherchait quelqu'un qui va se tenir devant. Dios buscaba una persona que se puede ponerse adelante. Esaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et ahí dijo Esaïe, aquí estoy, mándame.
Amen. Amen. Commence à prier, Dieu. Ora. Dis à Seigneur quelque chose. Éternel notre Dieu, merci, papa. Seigneur, merci parce que le temps est arrivé, Seigneur Dieu. Le temps est arrivé, Père de gloire. Que ce temps, Seigneur Dieu, nous voulons entrer dans la brèche, Seigneur. Nous voulons se tenir dans la brèche pour intercéder pour cette nation. Papa, voyez comment le monde est en train de fonctionner, Père. Voyez comment la souffrance est entrée. Voyez comment les malheurs, les cris de pleurs partout dans le monde. Seigneur Dieu, élève quelqu'un, Seigneur. Mais voici devant toi, papa. Envoie-moi, Jésus. Envoie-moi pour accomplir ta parole. Envoie-moi pour accomplir tes missions, Seigneur. Papa, je te présente ton église, Seigneur Dieu. Tu connais quelqu'un qui est ici présent. Tu connais quelqu'un qui a écouté cette parole, Seigneur. Papa, capacite quelqu'un qui est ici. La personne qui voit qu'il est riche, Seigneur. Comme Jean-Pierre avait dit, je suis le plus petit dans ma famille. Et moi, je sais que toi, tu les prends les gens dans les néants pour les faire grandir. Seigneur, prends quelqu'un qui est ici présent. Afin que ta parole soit accomplie dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ton église. Seigneur, nous voulons accomplir tes préoccupations, tes désirs, tes besoins. Comme Esaïe avait dit, mais voici en moi. Nous aussi nous disons, nous sommes la mère de toi. Fais de nous ce que toi tu fais que nous soyons. Seigneur, aide-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Par notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais nous demandons ta force, ta grâce, ta faveur, dans nos vies, Seigneur. Afin que nous puissions accomplir ta parole. Bénis toutes et chacune de nous. Bénis ceux qui ont écouté cette parole. Ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux, Père de toi, capacitez-les aussi. Parce que toi, tu es notre Dieu. Je bénis tes enfants, je bénis ces peuples, Seigneur. Laisse que ta gloire et ta bénédiction soient notre partage, partout que nous irons, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vamos a dejar la hermana Odette, diaconesa Odette, a orar por las ofrendas. Amen, eh? Amen. Junto con la grupo de música vamos a ofrendar a Dios. Thank you.
Amen, amen. Sentamos en el nombre de Jesús. Y llegamos a este momento de nuestro anuncio. Miércoles es día de intercesión.